d'Ézéchiel, on va avoir une réunion un peu courte, par rapport au temps, on va commencer à l'après-midi. Hier, nous étions au mariage du frère David, le fils du frère Valentin. C'était bien à Manchester. Nous sommes rentrés vers 3h du matin. Voilà pourquoi nous commençons des réunions les après-midi. Amen. Nous avons aussi un problème. Le dimanche qui vient, le 10 septembre, il y aura pas, la salle ne sera pas disponible, mais je pense que je vais communiquer pour voir ce que nous allons faire. Je vais essayer de contacter de l'autre côté. Ou sinon, nous allons écouter simplement le frère Bana. Amen. Donc, dimanche prochain, la salle ne sera pas disponible pour tenir l'autre dimanche là-bas. J'étais là avec tout le monde, le frère Joseph, le frère Jean-Pierre et le frère Élie, surtout si j'étais là-bas. Alors, nous croyons que Dieu ne compte pas le nombre. Amen. Peu importe le nombre, nous allons apporter la parole. Amen. Ok, nous allons chanter. Assurance bénie.
Oh,
Thank you.
Donc, la nuit,
c'était les âges de l'Église. Je vais prendre un petit dessin. Donc, au grand matin, n'est-ce pas, au grand matin, dans les 3h30, amen, Jésus ici, à la Pentecôte, il a planté la bonne séquence. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette école. Et oui, ça devait passer. Voilà. Faut qu'on change cette table de l'église. Voilà. Dans le grand matin, Jésus a planté à la chambre haute la vraie parole qui est Christ lui-même. Est descendu dans la chambre haute et Paul a pris les mêmes messages. Il a vu le Christ qui était descendu dans la chambre haute. Paul a pris les mêmes messages, il a commencé les âges de l'église. Mais durant la nuit, ici, n'est-ce pas? Donc la nuit, pas cette nuit prophétique, amen. Donc durant la nuit, ici, les diables avaient planté la sémence dénominationnelle. Arrivé à l'âge. Après là, j'ai perdu l'âge de l'interdit. C'est là où ils ont instauré les baptêmes du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'était une discorde qui a été plantée dans les âges de l'Église. Alors, il fallait qu'au dernier âge, que nous puissions répartir au grain qui a été semé ici, n'est-ce pas? Dans la chambre durant la journée. Le frère a dit que Christ qui est passé dans les âges de l'Église, comme étant mort, c'était Satan qui était dans les âges de l'Église. Quand nous parlons de la résurrection de Jésus, on ne parle pas de la résurrection de Jésus-Christ dans la tombe en Israël, mais nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ après sa résurrection, après la résurrection des Juifs. Amen. Quand il parlait de sa Jésus-Christ, pour lui c'était la tombe. C'est le grain de blé qui est tombé à terre, qui devait parcourir les âges de l'Église jusqu'à ce que nous allons les revoir encore. Comme il était ici, en ce moment-là, on dirait que la conscience est mieux. Et on va faire la récolte. On va récolter. Amen. Donc, le mystère de la moisson. On avait dit que les semeurs, c'était Christ lui-même. Les semeurs étaient Christ. Et les champs, c'était les âges de l'Église. C'est ce que nous avons là comme image. Les semeurs, qui étaient les fils de l'homme. Dans les âges. Les champs, c'était les âges de Christ. Amen. Christ a planté la bonne parole dans les âges de Christ, parce que c'était la fin de la dispensation juive. Il devait commencer avec les nations en accordant la même parole. Amen. Mais là, quand il arrive maintenant dans les âges de Christ, comme c'était la nuit, les diables est venu aussi. Qui étaient les diables? Les diables étaient dans les faux prophètes. Amen. Les faux enseignements. Les diables est venu au travers des faux prophètes. Parce que Jésus a dit que la sémence, c'était les enfants du royaume. C'est que la discorde, c'était aussi les hommes. Si Christ a planté les hommes, n'est-ce pas? La sémence. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui est né de Dieu et ne commet point de péché, car la sémence de Dieu demeure en lui. Amen. Je prends ça. 1 Jean 3, 9. Vous êtes avec moi? 1 Jean 3, 9. La Bible dit ceci. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. Et les enfants du diable. Donc l'enfant de Dieu, c'est celui qui a la sémence Christ en lui. Et les enfants du diable, c'est celui qui n'a pas de sémence. Amen. Quelqu'un peut être gentil. Un gentil monsieur, un bon qui vous fait du bien. Mais c'est l'enfant du diable. Amen.
à la servante de Dieu. Voilà pourquoi ils se sont ligués contre la parole qui était Christ. Puisqu'ils n'étaient pas la semence de Dieu. Amen. Ce sont les prédicateurs qui sont venus s'élever la discorde dans les âges de l'Église. Mais il y avait une promesse dans la Bible qui a été dit que je restaurerai tout ce qu'ont dévoré les Sainte-Père, les Gaza et les Assyriens. Amen. Le frère Abraham nous dit que tout ça, c'était les insectes durant les âges de l'Église, c'était la dénomination. Nous allons aborder un message ici que nous allons dire l'ennemi de Dieu. Amen. L'ennemi de Dieu, c'est l'Église. Amen. Et nous allons voir que l'ennemi est venu avec le méthodisme, avec les églises baptistes pour semer une séance dénominationnelle. En cela, nous comprenons que c'est que le frère Madame dit que les baptistes cherchent à faire de tout le monde des baptistes. Les méthodistes cherchent à faire de tout le monde des méthodistes. Amen. Et les catholiques aussi cherchent à faire de tout le monde des catholiques. Ce n'est la parole qui ferait de tout le monde les enfants de Dieu. Amen. C'est ça que nous avons aujourd'hui dans le message. Amen. Dans les messages d'aujourd'hui, chaque église a sa représentation. Ils appellent ça des juridictions. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça le message de Frère Branham. Amen. Ils ont des juridictions. Chaque église a ses juridictions. Une église peut avoir là, plus de 100 juridictions dans le monde. Il y en a aux États-Unis, il y en a au Canada, il y en a dans les pays d'Afrique. Vous comprenez? Chaque église du message aujourd'hui, soit des années messages, cherche aussi à reconduire les gens qui croiront en Dieu. Si ils ont une église là-bas, n'est-ce pas au Congo, et ils ouvrent une église aux États-Unis, on met un pasteur là-bas. Si ce pasteur là ne prêche pas comme le pasteur de Kim, il est révoqué. Amen. Et ça, ça ne peut pas reproduire la semence qui a été plantée. Oh, tu vois, c'est-à-dire qu'ils se sont ligués pour faire vivre un nom au lieu de faire vivre la parole. Ce que le frère Branham a dit, ça se répète. Or, le frère Branham nous dit que ce message ne s'organisera jamais. Ce message ne sera jamais une organisation. Or, si vous voyez quelqu'un dans ce message s'organiser, cela veut simplement dire que la personne a déjà quitté le message. C'est pourquoi nous ne regardons pas l'homme. Nous regardons ce que la parole dit au travers de son prophète. Amen. Amen. Apocalypse 14, c'est notre culture de base. Nous en répondons. Je regardais, voici, il y avait une lion blanche. Sur un nœud était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Ce n'était pas le fils d'homme, mais quelqu'un qui ressemblait. Amen. Et sur sa tête, une couronne d'or. Vous connaissez une couronne, la couronne de Marie, c'est quoi? Les noms. C'est son épouse. Si vous voyez, Marie. C'est pourquoi nous disons que, à la descente de l'animé, c'est Christ qui descend avec son épouse. On va avoir les lunettes de Marachi qui a brûlé la ville. Parce que quand nous disons comme ça, nous prenons maintenant les définitions. J'ai regardé. Déjà, vous ne regardez pas avec ses yeux. J'ai regardé, pas comme ça, non. C'est les yeux du cœur. Ça veut dire les yeux du cœur que vous regardez. Et voici, il y avait une lueur blanche, celle-là, sans contester. Vous avez vu. Et sur la lueur était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Qui ressemblait à un fils d'homme. Assis-vous dans la lueur. Et il y a sur sa tête une couronne d'or. Qui est la tête de l'Église? Christ. Et qui est la couronne de Christ? Son épouse. Lorsque je dis dans cette lumière, Christ et son épouse. Faut voir que ce sont les anges qui ont formé sa perruque. Or, un ange, ce n'est pas quelqu'un qui est les ailes. Un ange, c'est un messager. C'est-à-dire que Christ est descendu avec les ailes.
les sept âges de l'Église. C'est pourquoi il était représenté par l'Arc-en-Ciel. L'Arc-en-Ciel qui n'est rien d'autre que les sept âges de l'Église. C'est clair, non? Et là, sur sa tête, une couronne d'or. Là, la divinité. Une couronne, c'est le pouce. Frère Branham dit que nous sommes les joyaux de sa couronne. Donc, tous nous formons une couronne. Et chaque personne est, est un joyau dans la couronne du Christ. Amen. Dans sa main, une faucille d'argent. La main de Dieu, c'est quoi? C'est vraiment un passage de Miguel. Nous donne beaucoup d'informations. Dans sa main, une faucille. La main de Dieu, c'est quoi? La main de Dieu, c'est un prophète. Parce que Dieu a délivré Israël par sa main puissante. Qui était la main puissante de Dieu? Moïse. Les détails, les détails. Ça fait, quand on fait ce chant, les détails de la maison de Dieu, c'est les détails. Mais c'est à vous qu'on parle. Vous n'avez pas les détails de la vision. Amen. Vous dites que là, dans sa main, il y avait une étoile de sa main. Vous passez la maison. C'est un prophète. Frère Branham dit que quand la Bible parle de la main droite, Jésus est assis à la main droite de Dieu, il dit, cela ne veut pas dire que Dieu a une main droite. Il dit non. Il dit c'est la droite de sa puissance. Et on dit que dans sa main, il y a une faucille tranchante. La faucille, c'est ce qu'on avait dit qu'on utilise pour moissonner. Or, dans le numéro, quand il vient, quand vous voyez l'apparition de la faucille, cela veut dire que la moisson est mûre. C'était une faucille, mais aussi tranchante. Amen. Amen. C'était une faucille tranchante. Ça dit qu'en fait, ça, ça coupe directement. Et notre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lève ta faucille. Il est sorti du temple, qui était l'Église. Parmi les sept messagers, un ange, va dire que c'était le septième ange. C'est pourquoi il dit dans Brèche 41 que cet ange, du septième ange, est sur la terre au moment de cette venue. Parce que dans Brèche 10, nous voyons deux personnes, l'une sur la terre et l'autre au ciel. Ils sont en train de parler et celui-là a reçu les livres. Et cela montre la même chose dans Brèche 14. Amen. Qu'est-ce que l'ange dit? L'ange a aussi et moi seul. C'est l'ange qui était sur la terre, qui parlait à l'ange puissant qui était au ciel. C'est lui qui avait dit venir de lancer la faucille. Pourquoi? Parce que lui, il était sur la terre, il connaissait l'état de la moisson. Il dit que la moisson est maintenant mûre. Maintenant, tu peux lancer la faucille. Car l'heure de moisson est venue, car la moisson de la terre est mûre. Amen. Que le Seigneur bénisse. Matthieu 13, il leur proposait une autre parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé. Qu'est-ce qui est semblable? Le royaume. C'est-à-dire que c'est ici là, on parle du royaume et pas un champ. Ce n'est pas un royaume comme United Kingdom. Je ne sais pas si vous êtes avec vous. Ici, on n'est pas dans l'histoire de United Kingdom. Il dit, le royaume des cieux est comme. Maintenant, quand il parle comme ça, écoutez, ouvrez grandement vos oreilles pour écouter à quoi ressemble le royaume de Dieu. Frère Branham dit que notre royaume, c'est l'empire messianique. Christ lui-même, le roi de notre royaume. Christ, lui, la parole, il vient dans cette ville pyramidale, la ville perle, la ville des perles et de lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est une vérité qui a été cachée et qui est révélée. C'est ce que nous appelons la lumière. Quand on dit ville de perles et de lumière, c'est-à-dire c'est une ville. Faut pas dire que la ville, c'est l'épouse. Bye. Ok, je... La ville, c'est l'épouse. Parce qu'on a dit à Jean, viens voir la femme, l'épouse de l'agneau. Quand j'ai parti voir, qu'est-ce que j'en vois? J'en vois la vie qui descend. Ça veut dire que la vie et la forme, c'est la même chose. N'est-ce pas? Amen. Mais là, on parle du mystère du royaume. Le mystère, la question, c'était celui qui était semblable à un fils, à un homme.
qui a semé une bonne semence dans son champ. L'homme en question, c'était le fils de l'homme, qui est Christ. Il a semé de la bonne semence dans son champ, dans l'âge de fès, n'est-ce pas? Parce que le champ, nous avons vu le frère Bonhomme nous a dit que c'était les âges de l'Église. Il a semé la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens le remettent, on dort la nuit. Pendant que les gens dorment, attention, quand les gens dorment, c'est là où l'idée de Saint Brésil. Il est venu le dehors dans la nuit. Dans les anges de l'Église, son ennemi vint, c'était un ennemi, s'est mal délivré parmi les blés. C'est-à-dire, Christ a semé ses enfants, la semence. Et lui aussi a semé sa discorde, les enfants du diable, qui n'étaient pas la semence de l'Église. Donc, maintenant, dans l'Église, nous avons un mélange des sémences prédestinées et des sémences non prédestinées. C'est pourquoi la bataille est éternelle. Amen. Amen. Les Israélites, quand ils étaient en Égypte, ils souffraient. Ils faisaient des bruits, ainsi de suite. Mais lorsqu'ils ont quitté dans l'Égypte, ils se sont dit, oh, gloire à Dieu, fini la bataille. Mais à nouveau, des heures, la bataille continue. Dit, ah, mais Pharaon n'est pas même plus ici. Mais qui nous combat? Amen. Les ramassis. Parmi les ramassis, de mon ami. Mon ami était là. Moïse, est-ce qu'il y a toi? Moïse, est-ce qu'il y a Moïse? Mais c'est lui qui a reçu le message ou le mandat de vous faire sortir de l'Égypte, n'est-ce pas? Mais quand vous arrivez au désert, écoutez! Vous n'avez pas la capacité de quitter l'Égypte. C'est lui qui avait reçu le mandat de quitter l'Égypte. De vous faire quitter l'Égypte. Mais quand vous arrivez au désert, vous commencez encore à tourner contre le commun. Les ramassis, la discorde parmi les peuples. Et cela a construit les sept âges de l'Église des Juifs. Jusqu'à ce que les mêmes fruits qui étaient plantés en Éden, c'est-à-dire Christ de la parole de vie, elle est devenue encore la parole dans la chambre haute. C'était la fin de la discussion juive. C'était, n'est-ce pas, comment la moisson partielle pour les juifs. Mais à la fin, Christ est aussi revenu pour la grande moisson. Et quand il vient maintenant pour commencer les âges de l'Église, c'est là qu'il commence. Il dit ici. Lorsque l'arbre est poussé et donné du fruit, livré par lui aussi, le Dieu, contre quoi? Les serviteurs du maître de la maison vers le Dieu. Les serviteurs, ce ne sont pas les pasteurs. Ce sont les sept messagers. Ok? Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient l'homme qui a de la délivrer? Livré, c'était le fils du malin. Mais le Seigneur a dit, laissez-les croître ensemble jusqu'à sec, n'est-ce pas? Alors, je vais sauter. Dernièrement, on avait dit que quand on avait mentionné, on prend tout ça. Ok? Tout ça. Là, vous avez le blé qui est mieux. Ok? Dans le blé qui est mieux, dedans là, nous avons ça. Nous avons le véritable blé. Ok? Mais tout ça, on ne mettra pas tout ça dans le grenier. Avant de mettre ça dans le grenier, on va d'abord les décortiquer. En ayant la foi d'éternel. Mais dans le blé, le frère Bala nous dit que le blé, il y avait trois familles. Ok? Il y avait Agar, il y avait Sarah, ok, et il y avait Marie. Le frère Branham dit Agar, c'était la tige, ok, avec Luther. Et Sarah, c'était le grec, n'est-ce pas? Avec Wesley. Et Marie, c'était la Pentecôte. Pentecôte, c'est sûr. La Pentecôte avec les pentecôtistes. Ok? Ils nous sont comme ça.
Les Grecs qui étaient. Non, c'était là-bas, par vous allez dire. Avec les panthéotistes. OK? Donc nous avions la tige, les Grecs et la balle. Oh, parmi toutes ces trois femmes ici, femme en ligue, celle-là est venue par la polygamie. OK? Femme en ligue, elle est venue par l'adultère, la polygamie. Donc la polygamie, c'est de l'adultère. C'est la même. Mais c'était bien à cette époque-là. Sarah est venue, Sarah a produit Isaac. Celui-ci, par la polygamie, il a produit Ismaël. Un enfant qui n'est pas né par la volonté de Dieu, déjà. Une volonté permissive. Dieu ne reconnaît même pas. Maintenant, par Sarah est venu Isaac. N'est-ce pas? Mais les femmes ont dit que le véritable fils, c'est Jésus. Donc nous avons Ismaël, Isaac et Jésus, tous les trois. Amen. Mais c'est la même fille qui a marché dans la pâte depuis la racine jusqu'à la pâte. Mais quand on est arrivé à l'époque de la pâte, les gens ont pensé que comme cela était arrivé dans la maturité, c'était tout. Mais quand on arrive maintenant au niveau de mettre dans le magasin les blés, on commence encore à décortiquer. C'est là qu'on a enlevé encore la balle qui était les parents. Voilà, mais Marie n'était pas la parole. Mais Marie était la chose qui couvrait la parole. Les pentecôtistes ont couvert la parole, mais les pentecôtistes n'étaient pas la parole. Or, il est arrivé la parole avant d'arriver à la terre de fête. C'est pourquoi on avait dit que les mêmes œuvres de Jésus-Christ ont été répétées pour nous montrer que nous étions au temps de la maturité. Parce que c'est la même sémence qui a été semée au commencement. Quand la même sémence renaît ici, nous voyons déjà que dans le dernier âge de Jésus-Christ, c'était déjà la balle. C'est dans la balle que la sémence était devenue maintenant mûre. Maintenant, pour mettre au grenier, ça devait se passer là, dans les trois années. Dans les trois années, c'est là où on parle de l'enlèvement. On parle maintenant, quand pour parler de l'enlèvement, quand on a dit que l'enlèvement ne concerne que la dame élue. Ça ne concerne pas tout le monde. Ça ne concerne pas la balle. Avant de partir dans l'enlèvement, c'est-à-dire de mettre les grecs au grenier, c'est là que on doit d'abord les décortiquer. La sémence n'héritera pas avec la balle. On décortique les blés, on enlève dans la balle pour prendre les blés qui étaient déjà mûrs pour l'amener maintenant au grenier. Et le grenier en question, c'est le palais. Amen. J'étais avec un frère, là-bas, il dit que, ah frère, comme tu es là, c'est une bonne occasion. Moi, je vais te poser des questions. Frère, dites qui? La fameuse, c'était le même frère. Quand on avait qui on parler ici. On a continué ça là-bas. Mais frère, vous dites qui? Vous dites qui? Mais comment est-ce que ça doit le monde finir? Moi je dis, mais frère, la deuxième guerre mondiale, le frère Balaam dit que ça devait être la fin. L'anéantissement de la guerre. Pourquoi? Parce que les 144 000 n'étaient pas possibles. On devait d'abord arrêter la guerre. Dieu a envoyé les 4 anges, les 4 points de terre pour arrêter la guerre. Fabien dit que la deuxième guerre mondiale est juste la continuité de la deuxième guerre. Qui nous amènera à Gog et Magog, qui mettra fin à toute chair avec la bombe atomique. Hein? La bombe à gaz. La bombe à cobalt. Là, vous respirez comme ça. Vous êtes parti. Ah, mes frères, le frère madame dit que le corps va être racheté. Enfin, nous ne répondons que questions par des citations. Et le frère madame dit dans la prédication, croire Dieu, paragraphe 112. Le frère madame dit que la seule façon pour racheter ce corps humain, ça doit passer par. C'est une citation des frères. Je vais lire ça. Let me get it. Ah,
c'est là mon téléphone. De toute façon, croire Dieu, paragraphe 102. La voix de Dieu, c'est là où le frère va parler ça. Alors, j'ai montré au frère, le frère a regardé comme ça. Parce qu'il m'a dit, mais frère, les corps seraient achetés. Moi, je dis, attends, je vais chercher la citation. Je n'ai pas de réponse, mais la citation va te répondre. Je vais lui donner la citation. Il va lire ça comme ça. Il me donne. Il m'a dit, oh, frère, au mini. Il dit, bon, c'est le frère Branham. Oui, c'est le frère Branham. Tu dis quoi? Il dit, mais frère, c'est le frère Branham. Il m'a dit, ah. Soit tu crois, soit tu rejettes. Parce que nous, nous avons la foi d'Abraham. La foi d'Abraham ne pose pas des questions. La foi d'Abraham croit. Parce que le message de frère Branham, ce n'est pas du patriotisme. Le problème, c'est que les gens sont venus dans la maison, mais ils sont encore réglés. Ils sont encore là-bas. Or, là où nous sommes maintenant, au temps de la nuée, c'est qu'on fait un décortique. Amen. On a déjà jeté la, on a déjà jeté la tige. On a jeté les graines, on a déjà jeté les feuilles et tout. Mais maintenant, c'est le temps de la balle d'être séparée avec, avec le blé. Parce que la sémence ne peut pas hériter avec la balle. C'est là où nous venons maintenant avec les définitions de frère Branham. Nous prenons les mêmes mots, mais les définitions diffèrent. Amen. Les mêmes mots avec des définitions différentes qui séparent le blé et la balle. Frère Branham dit que c'est là que s'accomplit le passage de la Bible qui dit que les deux esprits seront semblables jusqu'à celui des élus, si possible. Amen. C'est la lumière. Frère Branham dit que c'est l'aurore, c'est lorsque l'étoile du matin arrive et que la nuit commence à finir. Entre les deux là, à ce temps-là, Frère Branham dit que c'est le temps le plus dangereux. Parce que le temps, c'est un ménage. Ce n'est pas la nuit, ce n'est pas la journée. Il me tue. Amen. C'est là que les gens sont confus. Et quand on arrive là, la véritable épouse se reconnaîtra la chose. Et ça, madame, c'est dans l'avancement de l'étoile de Pâques. Amen. Il dit ici, la semence débuta alors par une promesse qui fut légèrement mise en doute. Isaac étant la semence de la femme libre à qui la promesse avait été faite, en jambant comme Paul essaie de l'expliquer ici. Dans Galates, il engendra la sémence promise naturelle. Et il finit par dire ici que les enfants de la femme esclave peuvent hériter avec les enfants de la femme libre. Parce qu'ils sont des deux catégories différentes. Et c'est vrai, les croyants ne peuvent pas hériter avec les croyants. Il n'y a aucun moyen du tout. Or, l'héritage de l'homme, c'est quoi? C'est ce qui a perdu dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a perdu? La divinité, la nuée blanche. Quand cela retourne en tant qu'héritage, il faut que l'héritage appartient aux enfants de la maison, n'est-ce pas? L'héritage n'est pas quelque chose qu'on voit dans les magasins où vous allez pour acheter. Non, l'héritage appartient à la semence de la personne qui possède. Si vous n'êtes pas de la race de Dieu, c'est que cette semence, cet héritage ne vous concerne absolument pas. Voilà pourquoi la balle ne pouvait pas hériter. Il dit ceci, c'est ma neuf. C'est là que les troubles aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire qu'un poulet dénominationnel croire avec un nègre. Amen. Ça, c'est notre prophète. C'est-à-dire qu'un poulet dénominationnel ne peut pas croire avec un nègre. Dans la basse cour, on est tous là, picotant sur le verre de guerre. Amen. L'aigle mange, frère, un véritable enfant de Dieu, si vous ne l'oubliez pas de baptisme, ça va le tuer. Amen. Il ne sera pas à l'aise. Parce que si vous ne traversez pas la barrière de la Odyssée, vous ne verrez jamais la lumière. Et vous n'aurez jamais développé les choses comme il faut. Dans la base où il y avait l'aigle et la poule, les poussins étaient là, en train de picoter sur le verre de terre. Frère Branham dit que l'aigle aussi mangeait juste pour vivre, mais ce n'est pas sa nourriture. Et lorsque la mère est venue, lança le cri, le message à l'heure, l'aigle a reconnu cela, puisque c'était sa nature, pendant que les poulets étaient un peu à l'arbre. Amen. C'est ça qu'on avait dit des lions aussi, des lionceaux. Pendant que les lions criaient,
Les lionceaux jubilaient. Amen. Pendant que les antilopes étaient en fuite, les lionceaux jubilaient. Pendant que l'antilope, l'ami intime du lionceau, le lionceau qui est devenu un lion, est devenu l'ennemi de l'antilope. Amen. C'est-à-dire que lorsque le message arrive au point culminant, dans les climax, lorsque le message relève les blés, la balle doit lâcher prise. La balle doit céder. Pas que c'est la nature. Amen. Vous voyez, si vous allez dans certains champs, si vous tardez à faire la récolte, vous allez voir que les semences commencent déjà à ouvrir la balle. Vous avez déjà remarqué ça. Vous allez voir que la balle commence déjà à s'ouvrir. Parce que la balle ne peut pas contenir la semence car elle est mûre. Ça doit céder. Même si vous ne le faites pas, la balle va céder de soi-même. C'est la nature qui le fait. C'est pourquoi on a dit que Dieu c'est un ségrégationniste. Il fait la ségrégation. On doit séparer la balle et les blés. Amen. Les prophètes de Dieu disent, c'est là que les troubles viennent. Vous devez croire chaque parole de Dieu. Vous n'héritez pas ensemble. Pas plus que vous vous joignez à lui. Vous ne pouvez pas le faire. Vous devez être un aigle ou un poulet. Il n'y a pas quelqu'un qui est moitié aigle, moitié poulet. Ça, c'est un monstre. Soit vous êtes l'aigle avec les ailes de poulet pour vous envoler dans les hauteurs, dans l'enlèvement. Ou soit vous êtes un poulet, un oiseau de la basse cour, un oiseau terrestre qui était la terre. Amen. Amen. Un oiseau était la terre. Parce que vous avez pris de la poule sans voler. Il fait ses matins. Il rêve. Parce que, faut pas dire que la poule, c'est. Comment il dit ça? C'est des chickens bound to the earth. It's earth bound. La poule est attachée à la terre. Elle est surtout un canard. Il fait que pour moi, il rêve. Mais l'aigle va dans les hauteurs. Vous ne pouvez pas ménager l'aigle et la poule ensemble pendant que nous sommes arrivés au top de l'aigle. Amen. Fini les gars de la basse-cour. On est là à la basse-cour dans les âges d'église. Lorsqu'on picotait dans les âges d'église, le matin, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ça veut dire que Luther est sorti, mais il est sorti avec des séquelles de dénomination. Luther va dire qu'on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La vie était sur le trône. Il était tous là, ils étaient tous à la basse-cour. Wesley est venu, sanctification, mais avec les secrets de la dénomination, toujours à la basse-cour. Mais la carte lui-même descend, nous devons sortir de la basse-cour. Amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas manger le ver de terre. Allez, regardez maintenant. Nous avons ici le blé. Je vais vous montrer ça dans les détails pour que vous voyez bien, pour que ce soit clair. Ici là, vous avez, si vous regardez le loyer, il y a une confusion. Très facile. Tu regardes. Ça c'est la balle. Et ça c'est le blé. Vous voyez? Ça aussi c'est la balle. C'est pas ce qui paraît. Hein? Quand vous regardez le loyer, est-ce que vous le voyez bien? Comment? Vous voyez? Hein? Là nous avons le blé. Là, la balle. La balle, la balle, la balle. Le blé. Ouais. C'est Matthieu 4, c'est semblable. Mais là, on nous montre le blé qui est sorti de la balle. Mais de la fois, on nous dit qu'il y a eu Oral Robert et Billy Graham. Tous, ils ont sémé. Mais à la fin, il faut qu'il y ait une différence. Mais nous allons voir maintenant la composition du blé. Vous allez être surpris. Regardez maintenant le blé. Là, nous avons la composition du blé. Et là, dans le blé, nous avons, n'est-ce pas, la vie du blé qui est à l'intérieur. Et nous avons le huit germes, les germes de la vie du blé qui est là. Ce n'est pas dans la balle. Maintenant, l'autre composition, c'est. Et un peu plus en détail, nous avons ça. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons là cette membrane ici.
les germes à l'intérieur. Mais quand vous décontrez le blé, vous enlevez la balle, il y a aussi une petite peau au-dessus de ces graines, qu'on appelle quoi? Est-ce que vous voyez? On appelle ça bran en anglais. Et là, c'est le germe qui est la vie de la balle. Ok? Maintenant, nous allons faire une petite expérience. Bran, c'est la membrane, n'est-ce pas? Vous avez moi? C'est la membrane. Et H-A-M, c'est Elohim. Amen. Dieu est parfait. Quand on arrive au temps du blé, il faut qu'il y soit un prophète qui a le nom de Bran, qui est la peau. C'est ça que Jésus a dit. Jésus a dit que non, il y a eu des tempêtes durant la nuit. Il est parti dire à sa maman. Maman a dit non, 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 ne crains rien, on a un Dieu. Il dit que non, je cherche un Dieu avec une peau. Amen. Mais nous sommes des petits chignons. Ne nous amenez pas un Dieu imaginaire. Nous voulons un Dieu avec une peau. Et la peau du blé, la peau de l'homme, s'appelait Bran. Et à la fin de son nom, c'est H-A-M, qui est le nom de Dieu, qui veut dire Elohim. Amen. C'est comme Branel. Bran et El. El, c'est Elohim. Femme a dit El Shaddai, El, c'est Elohim aussi. H-A-M aussi, c'est Elohim. Donc Branel et Branel, c'est la même chose. Amen. Bran, qui est la maman du blé, et H-A-M qui est Elohim. Ok. Maintenant, William, ça veut dire quoi? Will, c'est la volonté. I am, c'est de Jésus. Donc, c'est-à-dire que nous avons la volonté de Jésus, la membrane du blé. Voilà le nom de ce message. C'est lui qui était Dieu caché dans la chair humaine. Amen. C'était Dieu dévoilé devant nous. Pour Israël, quand Dieu venait visiter son peuple, c'était un prophète. Un prophète, c'est la maison de Dieu. Mais au temps du blé, quand le blé devait arriver à maturité, il fallait un prophète qui répond au nom de Bran. Et on ajouta le nom de Dieu à la fin qui nous donne Branham. Et il devait faire la volonté de Jésus, qui est Dieu lui-même Jésus. Et il s'appelait Will I Am. C'est-à-dire William Branham. Et Marion, ça veut simplement dire que c'est Marie. Mais vous avez remarqué que tous les noms de femmes, c'est sept lettres. Amen. Femme, on dit que les sept, c'est la chaîne. C'est sept lettres. C'est sept fois sept. William, Marion, Branham. William, sept lettres. Marion, sept lettres. Branham, sept lettres. Sept, c'est la chaîne. Trois aussi, c'est la chaîne. Amen. Continue. Nous faisons la justice. C'est Jésus qui donne lui-même l'interprétation de la parole. C'est pourquoi nous accordons l'interprétation. Et maintenant, comme nous accordons ceci, cette semence qui est semée est récoltée. Voilà qui amène l'interprétation. Et aussi, je crois que Jésus prononçait cette parole en son jour. Mais comme devant s'accomplir à la fin du monde. C'est quoi le monde? Bientôt, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Femme a dit en d'autres termes, les systèmes des églises. Amen. C'est-à-dire que quand nous arrivons à la fin des systèmes des églises, c'est là que se passera la mention. La fin du monde, ce n'est pas la fin de la terre. My, my. Jésus parla de cela. Femme a dit que parce que cela devait s'accomplir à la fin du monde. En d'autres termes, à la fin du système des églises. Parce que les églises, c'était un système qui était installé. Et quand on arrive à la fin, les systèmes devaient tomber. C'est là que les grains de blé devenaient en maturité. Voilà pourquoi les frères Madame est venu de sortir d'aucune église. Les baptistes l'ont chassé. Il est parti chez le Pentecôte, c'est contaminé. Frère Madame dit qu'il ne tient pas sur une église. Il était indépendant. Amen.
c'était une semence hors système. Et nous voyons la politique même dans l'Église, soit disant le message, toujours dans les systèmes des Églises. Voilà pourquoi on a dit que les systèmes des Églises ne verront pas. Les membres, les Églises ne verront pas. Mais vous me verrez. Humain. Frère Branham Tobie dit, où à la fin, est-ce que vous faites ça? Il dit ceci. Mais comme des fois ça tombe à la fin du monde, ou à la fin de l'âge, c'est ça la fin du monde. Amen. Amen. Ou des fois ça tombe à la fin du monde, ou à la fin de l'âge, virgule, c'est-à-dire en ces jours-ci. Amen. Et je crois que ces petits textes de ce soir conviennent très bien à l'heure où nous vivons. En effet, Jésus a bien précisé ici que le rassemblement se serait à la fin du monde, que c'est alors que la fête viendrait, que le blé serait rassemblé et que les vœux aussi seraient rassemblés et brûlés, et que le blé serait emporté dans le royaume, et je crois que c'était ça. Bien-aimés, le blé serait emporté où? Dans le royaume. Donc quand nous parlons du royaume, hein, c'est là qu'il concerne que les pieds. Et si vous avez dit après les villages de Jésus, vous savez, les frères m'ont posé la question. Il dit que frère, l'enlèvement aura lieu quand? L'enlèvement aura lieu dans les âges, dans le dernier âge de Jésus. Dans l'âge de la Bible. Ok? Moi je dis, oh, ok. D'après toi, l'âge de la Odyssée est fini ou pas? Il dit, l'âge de la Odyssée est fini. Mais si l'âge de la Odyssée est fini, mais désespère déjà. Parce que ça devait avoir lieu dans les derniers âges. Mais l'âge a pris fin. Même si tu dis que l'âge n'a pas pris fin. Les frères vont aussi penser comme ça. Mais Dieu a pu corriger les frères pendant le tableau. Il a assuré que l'âge de la Odyssée, c'était tout sombre, le blackout. Donc, si l'âge là prend fin, c'est-à-dire que tu as simplement mal compris, c'était quoi le même. Tout le monde qui attendait quelque chose de grand, un événement, il se trompe assurément. Car l'Église quitte la terre au chapitre 4 d'Apocalypse. De l'Apocalypse chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, on ne voit plus l'Église. Elle redescend jusqu'à l'Apocalypse chapitre 19. Par définition, il y a un problème. Oh, my. Il faut que l'on continue. Regardons verset 41. Là encore, les deux sont très proches. Tellement proches dans les derniers jours qu'ils ne pouvaient pas compter sur telle ou telle église pour faire le tri. Faut que l'on dit que Dieu ne jugera pas le monde avec une église. Quelle église qui fera le tri? Laquelle? Les catholiques? Non. Les protestants? Non. Faut qu'on dit tous mouvements antichrist. Alors que nous avons. Parce que le catholicisme, ce n'est pas un bâtiment. Parce que nous, on peut aller à la basilique Saint-Pierre, commencer à prêcher le message. La basilique Saint-Pierre deviendra une église du message. C'est pas ça. Ce qui fait les catholiques et les catholiques, ce sont des concepts. Alors, si vous avez un concept catholique, dans le message, je vais pas mettre une photo. Aux anciens catholiques, les catholiques n'hériteront pas avec la semence. Amen. Il dit ceci, qu'ils ne pouvaient pas compter sur telle ou telle église pour faire le deal. Disons, les méthodistes ou les baptistes ou les pentecôtistes pour faire le deal. Il a dit, il envoie ses anges pour faire le deal. Il envoie qui? Les anges. Ok. Un ange vient faire le tri, faire la séparation entre les justes et les faux. Dieu c'est un séparationniste, il sépare. C'est là le frère Barat, vous avez des méchants, où le frère Barat a séparé les chrétiens authentiques avec les faux chrétiens. C'est lui qui était hypocrite. Qui sont avec notre femme et celui-là, l'autre qui était un chrétien authentique. Le frère Barat pouvait détecter, il a séparé.
c'est l'ange éternel qui peut le faire. Il y a un message que le frère m'a prêché qui va être intitulé l'ange de l'éternel. Lisez ce message là, vous comprenez qui est l'ange de l'éternel. Il est là. Amen. L'ange de l'éternel, dans ce message, le frère m'a dit que c'est la colonne de feu. La colonne de feu devait descendre pour faire le tir. Mais la colonne de feu en soi ne peut rien faire. Ça doit s'incarner dans un homme. Et si ça s'incarne dans cet homme-là, l'homme-là devient lui-même l'ange de Dieu. C'est lui qui fait les prix. Quand, à la fin du monde, c'est quoi? La fin des systèmes des églises. À la fin, là, le tri doit se faire. C'est quoi le tri? Séparation entre le blé et l'ivraie. Amen. Et personne d'autre que l'ange de l'éternel ne peut le faire. C'est lui qui va dire lequel est le juste et lequel est le faux. Amen. Dieu a dit qu'il enverrait ses anges au dernier temps. Ses anges, au pluriel, mais l'ange de l'éternel, un ange. C'est-à-dire qu'il est sept anges incarnés dans un ange. Vous comprenez? Parce que Christ était au milieu du chandelier. Femme a dit que les sept esprits, au milieu du chandelier, femme a dit que les sept esprits, ce n'est pas que Dieu est en sept, mon sort. Il dit, c'est le même Dieu s'est exprimé dans les sept âges de Christ. C'est le même Dieu, Christ, la colonne de feu, l'ange éternel, qui est venu pour faire le tri. Les sept anges incarnés dans le même ange. Amen. Il dit ceci. Nous savons que nous sommes maintenant à l'approche du temps de la mention. Or, un ange, en fait, selon l'interprétation du mot, c'était un messager. Et nous voyons qu'il y a sept anges de sept églises. Là, frère, je ne demande rien. N'est-ce pas, frère Président? Je ne demande rien. Je ne fais que répéter William Ramon Brennan. Amen. C'est-à-dire que, à la fin, les gens qui feront la moisson, qui vont séparer, ce sont les sept anges. Les anges en question, c'est quoi? Ce sont les sept âges, les anges, les sept âges de l'Église. Ce n'est pas le frère qui le dit, c'est le frère voilà. Amen. Parce que nous voulons prendre une définition pour chaque mot. C'est la chose qui enlève le pentecôtisme. C'est ça la lumière. Amen. Et maintenant, non. Il dit tout au long des âges de l'Église. Amen. Il continue, le prophète. Remarquez qu'il a dit qu'était le semeur et aussi ce qui était la semence. L'un d'eux, le semeur, c'est lui, le Fils de Dieu, qui est sorti semer la semence. Et un ennemi est venu après lui, qui était le diable. Et il a semé la semence de discorde après que la bonne semence a lui été semée. C'est Christ qui a semé la bonne semence, là-bas, avec Paul, dans les âges de Christ, dans l'âge de Christ. Mais dans la nuit, dans l'âge de souvenir, il est venu l'ennemi pour semer la mauvaise semence. C'est qui l'ennemi? L'ennemi, c'est même le Dieu. Bâtir, ce ne sont pas les gens des nardins. L'ennemi en question, ce n'est pas la personne qui, qui danse dans les cabarets, ou la fille qui fait les striptease, non. La pauvre, elle est pour rien. Mais c'est le prédicateur, Bataille, jusqu'aujourd'hui, ceux qui sont au message de l'Église qui attendent les choses, c'est eux-là qui servent la semaine du discours. Parce que le frère Banan, on lui pose la question. Frère Banan, s'il te plaît, explique c'est quoi l'enlèvement. Le frère Banan a expliqué. Quand je donne la situation à quelqu'un, il faut y aller. Il y a côté pour nous. Le seul endroit où on a posé la question, frère Banan, il a répondu clairement. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que frère, c'est comme dans l'état de Abraham et de Sarah. Il devait changer, il devait être changé. Il dit, vous voyez, ceci ne concerne pas les cinq sens. Ceci concerne l'homme intérieur. Les cinq sens ne font que vous embrouiller. Voilà pourquoi ça n'entrera pas. Mais c'est le propos des prophètes. Soyez au mais pourquoi tu vas mener ta définition à toi? Hein? C'est amen. C'est toujours la même chose qui s'est produite. Ainsi dit le prophète. Remarquez qu'il a dit qu'était le semeur et aussi qu'était la semence. Ça, j'ai déjà
diable. Et il a semé la semence de soi après que la bombe s'est mandée. Maintenant, mes amis, cette chose-là s'est produite dans tous les âges, depuis que le monde est monde. Exactement. Tout au long, depuis le commencement, c'est toujours la même chose qui s'est produite. Maintenant, c'est temps de la moisson. Au commencement, quand Dieu a semé sa semence sur la terre, et qu'il a passé dans le cœur de ses enfants. Ça dit, les champs, c'est les âges de l'Église. La terre, c'est vous et moi. C'est ça qu'il veut faire. Il dit, quand Dieu a semé sa semence sur la terre et qu'il l'a placée dans le cœur de ses enfants, vous êtes avec nous, de sa famille, gardez cette parole, c'est leur seule défense. Frère Marie, si vous voulez commencer une église, vous commencez avec la parole. Nous, on ne cherche pas à garder les gens par la politique. Amen. C'est pourquoi j'exprime ce qui est dans mon cœur. Fabian dit, c'est qui un hypocrite. Un hypocrite, c'est celui qui pense autre chose, mais qui dit autre chose. Fabian dit, je préfère vivre avec un ivrogne que vivre avec un hypocrite. C'est pourquoi moi j'aime les Allemands. Un Allemand, si tu n'aimes pas, il te dira que je n'aime pas les Noirs. Au moins, tu sais à qui tu as l'affaire. Mais pas un Français. Un Français, c'est un hypocrite. Il sourit comme s'il t'aime, mais dans son cœur, il ne t'aime pas. Donc les Allemands sont mieux que les Français. Amen. J'aime un raciste qui s'exprime. Là, le pauvre monsieur, il est malade. Parce qu'il n'est pas aimé quelqu'un qui te ressemble, c'est une maladie. Parce que la personne n'a pas demandé d'être comme toi. Est-ce qu'il doit être comme toi? C'est une obligation. C'est toi qui nous enseigne la liberté, non? La liberté de choix. Mais d'ailleurs, la naissance, on n'a même pas le choix. On est né de parents noirs. C'est ce que je suis. Et fier de lui. Amen. Mais si quelqu'un ne t'aime pas, au moins, si il te dit ça, c'est bon. Mais celui qui les cache, c'est un hypocrite. C'est ce qu'ils font les pasteurs. Il vient, il ne pourra pas autre chose. Quand il voit ce que le frère Branham dit, il cache un hypocrite. Le frère Branham dit, il préfère un ivrogne, un buveur, que quelqu'un comme ça. Il est dans la famille là, amen, amen, amen. Oh là 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 là. Frère Branham dit, il a les agneaux sacerdotaux. Hein, sacerdotaux. Les agneaux des prêtres catholiques. Autrement, c'est un guinéen. Il parle là pour guérir là. Mais un hypocrite qui fait des histoires en bas. Amen. L'ennemi d'André, il a enfoncé cette barrière en semant la semence des discords. Quelque chose de contraire à la parole de Dieu. Si c'était de la discorde au commencement, ça l'est toujours. Tout ce qui ajoutera quoi que ce soit à la parole de Dieu, c'est toujours la semence de discorde. Peu importe quelle en est la source, que cela vienne d'une organisation, que ce soit des sources militaires, que cela vienne des puissances politiques, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est la semence de discorde. Amen. C'est pourquoi moi je ne regarde pas la grandeur de l'Église. Grande qu'il soit une Église, je m'en fous. Mais je vous jauge par rapport à ce que vous prêchez. Amen. Même si tu as 15 000 membres, on te montre simplement un passage public ou même une situation de frère Branham, tu rejettes, tu es anéanti. Je suis ma femme. Comme disait ce frère-là, tu veux que je te tue? Tu veux que je te tue? Si je te donne un passage public, si tu ne crois pas, tu es mort. Je te donne un autre passage, tu crois que je te ressuscite? C'est ça la semaine du discours, frère. Comment est-ce que quelqu'un qui regarde le message de frère Branham voit les œuvres que Jésus avait fait, se répéter ici, et non confesser à chaque fois Jésus, parce que vous connaissez qui est Jésus. Vous cherchez quel Jésus de Galilée. Frère Branham dit, il est ici dans le monde de l'État, à l'exception de son corps physique, vous le cherchez comment? Paul l'a vu, comme je l'ai dit, Paul n'a pas prêché Jésus de Galilée. Le Jésus que Paul avait prêché, c'était la colonne de feu. C'est Jésus qui a raconté. Paul n'a jamais raconté Jésus.
parole de Branham, c'est la parole de l'ange. C'est le mal de toi, quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Ça, c'est pas la faute de Branham, c'est la faute de l'ange. Qui est l'ange? L'ange, c'est la colonne de feu. L'ange de l'éternel. Qui est descendu pour faire les tri? Parce que la moisson de mur, il est venu séparer les vrais et les faux à Peshawar. C'est mal de ce 30. Quand un homme est là à dire qu'il est prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours de miracles sont passés, ça, c'est la sémence de discorde. Amen. Parce que le miracle, on peut voir. Le miracle, c'est une sorte de loi que Dieu a placée. Si vous croyez de tout votre cœur, vous allez dire que toute guérison ne convient que de Dieu. Même si vous allez à l'hôpital, quand vous donnez des médicaments, vous êtes guéri, c'est Dieu qui vous a guéri. Mais ça va passer comme ça. Je peux te prouver par les écritures là où Dieu a placé ça. Mais peux-tu me prouver avec les écritures là où Dieu les a enlevées? Non. Comme ces messieurs, cette maman-là qui était partie chez le prédicateur du coup qui avait prié pour elle, qui était malade. Elle est guérie. Son fils a appris la nouvelle, il est venu dans le séminaire. Tu as dit, maman, j'ai appris que tu étais malade. Non, maintenant ça va bien. Il dit, oh, mais tu avais quel docteur? Il dit, non, c'était les gens de quoi là qui ont prié pour moi. Il dit, oh, maman, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne parle pas de mal, c'est mais c'est pas mal, c'est du passé. Maman, la maman commence à dire, alléluia, gloire à Dieu, oh Seigneur. Il dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je me suis en train de demander si Dieu peut me guérir avec un passage passé. Mais qu'est-ce qu'il ferait de ce qu'il y a encore maintenant? Je sais que c'est le même hier aujourd'hui. Amen. Dieu ne change pas. C'est lui qui dit que les jours de miracle sont passés. Ça, c'est la semence de discorde. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église, qu'il est ministre, pasteur d'une église, c'est vraiment la situation. Quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans les moindres détails, à l'exception de son corps physique. Mais vous cherchez son corps physique pour vous. Il est ici tellement. Parce que ce qui faisait de Jésus, Jésus, ce n'était pas son corps. Au canal de Dieu, on a dit. Ça, c'est ça les serpents de reins. On a parlé du serpent de reins ici. Dieu a dit que le serpent de reins est devenu l'objet de l'évangile, détruisez-moi ça. Et le serpent de reins, Jésus lui-même a dit, comme Moïse a élevé un serpent, le fils de l'homme sera élevé. Qui est le serpent d'ailleurs? Jésus. Dieu a dit, c'est devenu un objet de l'oiseau de tous les ça. Parce que Jésus, dans son corps, c'était un homme. On n'adore pas un homme, on adore Dieu. Vous adorez un homme, vous êtes dans les nouvelles. Voilà pourquoi nous n'adorons ni Jésus de Galilée, la chair, ni William Branham, la chair. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ incarné dans sa divinité, dans les prophètes qui n'ont pas le nom. Qui est là-bas? Je ne sais pas ce que vous avez dit. Amen. Les enfants, j'écris toi. On chante dans la vie. Bien. Sauvez. Dans le monde. Et qu'il ne faut pas que Jésus-Christ est le même dans le moindre détail, à l'exception de son corps physique. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne sais pas, frère madame est en train de prêcher la prédication qu'il a prêchée, qu'il a intitulée Messieurs, nous voulons voir Jésus. Et il prend Jean 12. Les Grecs sont venus voir Jésus en disant Messieurs, nous voulons voir Jésus-Christ. Le frère madame prend ce passage-là et le deuxième passage de frère madame, c'est le Hébreux 13:8. Donc la question des Grecs était répondue par le passage de Hébreux 13:8. Est-ce que les gens comprennent le message commun? Parce que le passage clé du message de frère madame, c'est Hébreux 13:8. Vous êtes comprenez? Ce n'est pas Jésus de Galilée, c'est le Jésus qui est le même. C'est lui qui était le propre de Moïse, qui avait poussé Moïse à refuser le trône de Pharaon, à devenir esclave, à pitié la boue. C'est ça Christ. Et à cette époque-là, Jésus de Galilée n'était pas là. C'est lui qui raconta à Abraham, Genèse 14, qu'une
donna les pains et les vins pour la communion. C'est celui de Christ que nous parlons, la théophanie, Melchizedek. Amen. C'est celui de quoi nous parlons. Ce n'est pas l'homme de Galilée, il n'était qu'un sacrifice. Un sacrifice qui a été maître, qui a été tabassé, dans le but de nous donner la vie. Amen. D'ailleurs, dans le livre de Marc, quand les disciples l'ont revu, il a changé de forme, c'est ce que la Bible nous dit. Frère Barnabé dit qu'il a changé de forme, mais il ne gardait plus la même forme. Voilà pourquoi il pouvait marcher tout au long de sa chemin. C'était la même Jésus. La colonne de feu n'est plus pas. Voilà comment c'est les âges de Christ. Christ s'est présenté comme étant Jésus-Christ. Paul a accepté, il a commencé les âges de Christ. Il a changé les âges de Christ, c'était Christ. Mais pendant que le maîtrise était là, le luthérien, il disait que oh, Jésus vient de toi. Jésus vient de toi. Mais ils étaient déjà venus. Amen. Amen. Il continue la marche, voici les prendre les flambeaux. Il dit que nous attendons Jésus. Mais il est avec eux. C'est les chemins de mon aussi. On arrive à l'âge de Pentecôte, c'est bon, nous attendons Jésus. Il était là. Arrivé maintenant à la fin de l'âge de l'Odyssée, le même cœur est élevé encore. En maturité, comme cela a été planté, au travers de la personne de William Marion Branham, les gens regardent et disent que nous attendons Jésus. Nous attendons quel Jésus? Vous ne pouvez pas qu'il est ici, dans le moindre détail, à l'exception de son corps physique. Alors, monsieur, vous êtes une semence de discorde. Amen. Quand il déclare que le miracle et l'âge apostolique s'est passé, ça, c'est une semence de discorde. Quand ils disent la guérison divine, ça n'existe pas. Ça, c'est une semence de discorde. Et le monde en est rempli. Ça ne laisse pas de place au blé. Ça l'étouffe. Voilà pour toi. Maintenant, quand vous proclamez la vérité, hein, ils vont chercher par tous les moyens pour vous étouffer. Amen. C'est pourquoi le royaume devait être prêché ici, en Europe. Parce qu'ici, tu vas nous étouffer comme un faux. Pourtant, on a mis ça là. Nous avons boulot. N'est-ce pas, frère président? Amen. Nous avons nos boulot, on nous paye chaque semaine. Même pas chaque mois, chaque semaine. Moi, l'homme est beau. Mais toi, on a donné combien? C'est pas même les gens qui vont tomber là-bas comme vous souvenez le sang de la chance de la doctrine. Ah ouais, t'es. Ici, là, tout à la mino. Amen. La semence des discours ne fait qu'étouffer. Mais si vous êtes conscient que vous avez la vérité, est-ce que moi je vais dépenser l'argent pour étouffer quelqu'un qui ne croit pas la parole? Est-ce que c'est mon business? C'est vrai que Caïphas, c'est son groupe qui a étouffé la vérité de la résurrection de Jésus. Amen. C'est la semence des discours. Ça, c'est une semence des discours. Et le monde en est rempli. Nous consentons. Quel est le premier qui a semé la semence de discorde, il a été étiqueté comme étant le diable. Et nous savons que c'est bien ça, Genèse 1. Maintenant, nous voyons ici, dans les livres de Matthieu, au chapitre 13, Jésus étiquette encore tout ce qui est en désaccord avec la parole, comme étant du diable. Et en cette année 1956, il devait dire 1965, ils ont renversé. Tout ce qui est semé, tout ce qui sème la discorde, quelque chose de contraire à la parole écrite de Dieu ou qui en donne une interprétation personnelle, c'est la semence de discorde. Dieu ne voudra pas cela. Il ne le peut pas. Ça ne se mélangera pas avec. Amen. Certainement pas. C'est comme la semence de moutarde. La moutarde, c'est le grain du Seigneur. Toutes les paraboles de Matthieu 13 ne parlaient que de la même chose. Ça ne parlait que de la sortie des dogmes et des crédules de la parole. Qu'au temps de la fin, nous aurons la parole pure, sans mélange. C'est pourquoi le ministère qui avait les trésors, lorsqu'il a trouvé, qui avait les richesses, lorsqu'il a trouvé les trésors dans les champs, le monsieur a abandonné tout ce qu'il avait. C'est ce que Jésus a dit aux gens riches. Qui dois-je faire? Il dit, honore ton père et ta mère. Respecte les lois de Dieu. Tout ce que Dieu te dit de faire, fais-le. Il dit, oh, je les ai observés depuis mon enfance. Il dit, maintenant, il te manque une chose.
C'est quoi la chose? Va. Vends tout ce que tu as et viens sur moi. C'était abandonné. Oh, les messieurs qui avaient découvert, n'est-ce pas, les trésors dans les champs, lui, il avait abandonné tout ce qu'il avait. Mais les jeunes riches n'ont pas voulu l'abandonner. Femme a dit qu'il était tellement riche, il n'a pas voulu le faire. Femme a dit Jésus l'aimant. Mais en l'aimant, Jésus ne pouvait pas le changer. Parce qu'il n'était pas une séquence. Et ce monsieur-là a fini en fer. Femme a dit que ce n'était pas un méchant. Remarquez que c'est quelqu'un qui observait toutes les lois. Mais il n'était pas une semence. Amen. Amen. Même si vous êtes sanctifié jusqu'au là, mais est-ce que êtes-vous une semence? Si vous ne l'êtes pas, soyez vous gentil avec l'épouse. Comme ça, l'épouse pensera à toi. Amen. Amen. La semence de moutarde, elle ne se mélangera avec rien d'autre. Vous ne pouvez pas l'hybrider, il faut que ce soit l'authentique, la semence de biscotte. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle un mulet. Le mulet ne connaît pas son père, ne connaît pas sa mère. Le mulet, c'est un mélange de l'âne et du cheval. Fais pas dire que le mulet a de longues oreilles comme ça. Il travaille. C'est un signe aussi sur les églises. C'est un grand travailleur, il travaille très fort. Mais en lui, il n'est pas un pédigree. Il ne connaît pas qui est son père, qui est sa maman. Demande-lui qui est ton père. Fais-moi le avec des longues oreilles comme ça. Un muet qui ne connaît pas ses origines. Mais un chrétien authentique, un véritable enfant de Dieu connaît ses origines. Voilà pourquoi nous disons de la profondeur après la profondeur. La semence de discours. Nous prenons la parole par la semence de le frère de Jésus. Durant les âges de Christ, ils sont tous plantés. Cette première pluie qu'on avait appelée le mot, la pluie de l'avant-saison. Amen. La pluie de l'avant-saison, c'était lors de la semencement. On plante et on met de l'eau pour aider les semences à se reproduire, à pousser. N'est-ce pas? Mais quand on arrive à la fin, il faut qu'il y ait une pluie de l'arrière-saison, n'est-ce pas, pour amener maintenant les graines en maturité. Le fait de dire, remarquez que Oral a semé. Bénédicte Abraham a semé. Moi aussi j'ai semé. Après quelques temps, on attend pour parler de tout le monde. Mais à la fin, on saura qui a planté quoi. Amen. Il faut vraiment ceci. Bon, mais attendez maintenant. Qu'avons-nous eu dans ces temps de tentation? La première pluie, oh, vous dites frère Branham, non cesse. Maintenant, attendez une minute. Vous prenez les mots premiers dans Joël 2. Regardez et voyez si les mots allaient à l'époque et voyez. Si vous voulez l'inscrire, mourrez. Il dit M-O-U-R-E-H, mourrez. Et prenez le mot de Dieu et vous voyez que le mot signifie l'enseignement dénominationnel s'est déversé dans les âges de l'Église. Un million de plus en 1954 baptiste, un tel nouveau membre de l'Église aura le même 13 autres frères avec le mouvement pentecôtiste. Le grand mouvement pentecôtiste a augmenté jusqu'à des millions. Vous voyez ce fait. De même, la semence a été répandue, la parole pour la minorité, les petits taureaux. Ils ont tous semé. Mais à la fin, on saura qui est le blé et qui est le vrai. Parce que Oral Roberts et Billy Graham, ils ont semé une semence dénominationnelle. Laissez-moi aller très vite. Exposez. Nous avons ensuite appris que ces deux vignes allaient pousser côte à côte jusqu'à la fin des âges. Amen. Poussez côte à côte jusqu'où? Jusqu'à la fin des âges. L'âge de la vie est fini. Oui, monsieur. C'est pourquoi nous avons dit que même la semence du serpent, c'était côte à côte dans les âges de l'Église. Aujourd'hui, les deux semences étaient côte à côte. Ici, on n'est pas de plus délivré ou comment? De la barre. On parle maintenant du blé. Où elle arrivait toutes les deux en maturité et serait toutes les deux récoltées. La fausse vigne ne parvenait pas à vaincre et à
plutôt la vraie vie. Amen. Mais la vraie vie n'arriverait pas non plus à amener la fausse vie à une relation salvatrice avec Jésus-Christ. Laisse tomber. C'est pourquoi, frère, j'ai toujours dit que la nourriture c'est bon. Il ne faut que vous mangez. Mais c'est bon quand vous avez faim. Il y a une soeur, la femme de frère à Manchester, à Liverpool, elle a deux jumeaux. Les enfants se ressemblent tellement. Elle prend la première fille, elle va lui donner à manger. La fille mange. Comme elle s'habillait de la même manière. Après quelques temps, elle va prendre une autre fille. Pensant prendre une autre fille, elle prend la même fille qu'elle avait déjà donnée. On lui a noté la même. Il dit, après c'était moment, j'avais compris que je prenais toujours la même enfant, la même fille. Mais lorsqu'elle a essayé avec notre fille, qu'elle a mangé, tu vois, la nourriture c'est bon. Mais si vous n'avez pas faim, c'est mauvais. La parole c'est bon. Mais si vous n'avez pas faim, ça devient une mauvaise chose. C'est pourquoi on ne force pas les gens. Jésus a dit, heureux ceux qui ont soif de la justice, car ils seront rassasiés. Si quelqu'un n'a pas soif de la justice, on va lui donner à manger comment? C'est pourquoi ils disent, ah, non, pas le banalisme. Oh, mais le banalisme, c'est suffisant. C'est-à-dire que le message du banal, pas le banalisme, mais le message du banal, c'est suffisant. Ici, à l'Obert, ici-là, quand on avait prêché sur l'Obert, quand je suis monté du haut de la chaîne pour commencer à prêcher, les enfants, quand je dis, ok, nous allons lire la Bible, je dis, ah, encore. Mais quand j'ai commencé à parler, les enfants ont aimé. Ils ont dit, waouh, je n'ai jamais écouté des choses comme ça. Vous rassemblez ici. Il dit, ah, un jour je venais sur le culte. Je venais participer au culte. Ils ont été intéressés. Pourquoi? J'ai compris qu'il y a quelque chose en eux. Amen. Ils ne sont pas dans le message, mais ils ont aimé la parole. Malgré qu'il faut le problème, mais ils n'ont pas réussi bien. Puisqu'il y avait la soif. Mais celui qui n'a pas soif, si vous lui donnez la parole, il n'aimera pas. C'est pourquoi le frère m'a dit que la vraie vigne n'arrivera jamais à amener la fausse vigne à la relation salvatrice avec Christ. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la semence n'y est pas. Amen. Il n'y a pas la profondeur qui attire une autre profondeur. Ne perds pas ton temps. Moi, il y a des gens, quand je regarde comme ça, je jauge. Je lui donne un test. Il refuse. Je donne un deuxième test. Je reste. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas. Si vous continuez, vous donnez la chose à quelqu'un qui n'a pas envie. C'est comme si vous preniez maintenant les lacets pour faire passer sous l'œillet de la chaussure des bébés. Ça ne passera, ça ne va pas, parce qu'il n'a pas été conçu pour ça. Vous ne pouvez pas demander à une poule de s'envoler comme un nègre. Ce n'est pas sa nature. Et c'est ça. Cette histoire ne concerne que les êtres qui peuvent s'envoler aujourd'hui. Très vite. Ça va? Les trois états de la vie du blé. Très vite, très vite. Les femmes ont dit que c'est moi, c'est rigolo avec moi. Maintenant, ici, il y a trois étapes sur la sémence qui nous montrent la vraie image. Les trois étapes de la sémence naturelle sur la terre. Et selon une sémence qui est plantée, elle produit une tige sur laquelle sortent des petites poussins. Puis les graines, ensuite, les pollens s'attachent à cela, puis là-bas, et enfin, de nouveau la sémence. C'est ça l'étape. La moisson est mûre lorsqu'on arrive à la sémence. Observez les étapes de cette parfaite parabole ici. Et comment elle a exactement développé les vies. Car Dieu est l'auteur de toute la nature. Amen. Par conséquent, la nature ne peut plus faillir que Dieu ne peut faillir parce qu'il était celui qui plaça les choses dans leurs conditions pour que nous les regardions et nous les voyions. Vas-y, frère. Remarquez, Agar, la tige, qui fut la première partie du développement de la sémence. Elle ne ressemblait en rien à la sémence du tout. C'était la tige, parce qu'elle était une femme esclave, pas du tout dans la promesse. Amen. N'ayant rien à voir avec la parole, juste un porteur de la sémence. Remarquez ça, les Grecs, qui avaient les problèmes. Cette nation juive est née d'elle. De Sarah, descendue d'Isaac, d'Isaac, descendue Jacob, et Jacob, engendré les patriarches, et les patriarches
engendrer une nation. Très vite. Marie, la Vierge, la foi produisait la vraie semence, parole spirituelle faite chair. C'est-à-dire que Marie est venue, Marie avait en elle Jésus la parole. Amen. Mais Marie n'était pas la semence c'était Christ. Ici, quand vous voyez ici, quand nous arrivons au dernier âge de l'Église, ce n'est pas Marie, ce n'est pas la semence. Dans le dernier âge de l'Église de Pentecôte, c'est Marie. Amen. Et quand nous arrivons à l'étape, c'est pourquoi j'ai dit que quand le frère Branham discernait, n'est-ce pas, il était. Le discernement de pensée, c'était le ministère du Fils de l'Homme. J'ai dit que le Fils de l'Homme était ici, n'est-ce pas? Amen. C'était le troisième. Son ministère a été interrompu en deux. A été divisé en deux, pardon. Comme cela a été interrompu, il a commencé les anges de l'Église. Pas vraiment dit que dans les anges de l'Église, il était le Fils de Dieu. Jamais le Fils de l'Homme dans les anges de l'Église. Je sais pas si vous êtes avec moi. Amen. Dans les anges de l'Église, c'était le Fils de Dieu. Fait vraiment dit qu'avant la descente de la paix des fêtes, il va encore se manifester comme le Fils de l'Homme. Pour compléter la dernière partie de la 70e semaine, c'est-à-dire qu'il revient ici aussi comme fils de l'homme, n'est-ce pas? Or, qu'est-ce que le fils de l'homme fait? Il fait le discernement des pensées. C'est là où nous avons le mystère de la maturation de la semence, qui redevient comme la semence qui était là. Qu'est-ce que cette semence a fait? Cette semence a discerné les pensées de la femme dans Jean 4. Ça discernait la pensée de Nathanaël. Et la même semence devait faire la même chose quand elle revient, quand elle est devenue mature. Parce que le pentecôtisme avait pris fait en principe en 1906 avec, comment il s'appelle, William Seymour, à la source esprit. L'évangile du Saint-Esprit. Après cela, déjà à Michawa, c'était la corruption. Contaminé. Quand le frère Branham vient, c'est pour ôter les gens de l'âge de leur ministère pour leur montrer le ministère du Fils de l'Homme. C'était quoi? C'était le Fils de l'Homme, Elohim, qui est resté avec Abraham, qui a envoyé les deux âges à son âme commun. Bien grandé, on va l'envoyer envoyé là-bas. Mais l'épouse est restée avec Abraham parce qu'elle est la semence d'Abraham. Ou en dehors de son âme commun. Son âme commun, c'était les anges de l'Église. C'était après la fin de la paix des fêtes, le ministère du Fils de l'Homme dans la dernière moitié de la 70e semaine de l'année. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. C'est là où c'est le comité du Fils de l'Homme. Amen. L'une d'entre elles était en fait une adultère dans la polygamie. Ça, c'est le cas. Oh, polygamie, il y a un adultère. La seconde était une femme libre et la troisième n'est plus, n'eut pas du tout besoin d'avoir affaire au sexe. Mais par la foi, elle crut. Alors, c'est ça que j'ai toujours dit, la foi de Marie. Marie, elle était plus croyante que Zacharie. Femme a dit, pourquoi est-ce que Zacharie était débuté? Parce que Sarah, cela est arrivé avec Sarah, une femme âgée avait enfanté. Femme a dit, mais Zacharie devait seulement se référer aux Écritures. Mais Zacharie a douté. Sarah aussi avait une dépasse, elle rit. L'ange était fâché contre rien. Mais, frère, remarquez Marie. Marie qui va concevoir ça le concours de nom. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Mais Marie a dit une promesse comme ça, frère. La foi de Marie. Frère, femme a dit que par la femme, le monde est tombé. Est tombé. Aussi par la femme, le monde est relevé. Amen. C'est pourquoi nous disons que nos sœurs ici, ce sont des dames. Vous n'êtes pas des femmes, vous êtes des dames. Amen. Vous avez la foi de Marie. Pourquoi ça? Foi à Marie. Vous dites, hé, Basili n'a pas dit mon grand casse. Est-ce que vous le croyez pour vos maris? Prends une belle amie de maman. Mais non, non, non. Est-ce que vous avez Marie? Les enfants de Marie. Mais par la foi, elle crut la parole de Dieu.
Agar, Sarah et Agar, c'était toutes les deux par les sexes, une magnifique vierge, par la puissance d'une parole promise de Dieu. C'est vrai. Si vous venez avec du patriotisme dans ces royaumes, ah, il y en a encore. Je vais aller vite pour finir. Maintenant, il faut vous l'indiquer. Quand elle arrivera, les hommes en sont morts. À la fin, il faut que la personne se baptise puisse arriver. Dans le verset 15 et 18, que nous venons d'étudier, nous voyons l'image fidèle de ceux de la force église exposée. Du faux esprit, de la force vie arrivée en maturité. Je connais des œuvres. Amen. La Bible nous dit déjà dans l'âge de l'Odyssée que je connais des œuvres. C'est-à-dire que dans l'âge de l'Odyssée, la semence qui est plantée est arrivée en maturité. La semence blée aussi, avec le ministère des œuvres, est arrivée en maturité. Qu'est-ce qui arrive après? C'est la moisson. Amen. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisque tu es très fort, bouillant, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais vomir de ma bouche. Là déjà, on détermine qui est qui. En ce moment maintenant, il faut que la moissonneuse baptiste puisse venir. Amen. Les grains de blé originaires de la Pentecôte devaient venir, revenir au dernier âge. Amen. Il avait été enterré où? À Nicée. Amen. Zarde a vu porter une tige. Philadelphie a vu pousser une graine. Mais c'est à la Odyssée que le grain devait arriver à maturité. Le grain arrive à maturité, mais avec la balle. N'est-ce pas? Seulement, il ne pouvait pas reproduire l'original tant que la parole n'avait pas été établie. Les prophètes n'étaient pas encore venus. Parce que le dernier messager était un messager prophète. Pourquoi prophète? Parce que c'est lui qui devait manifester le Fils de l'homme. Mais maintenant, d'après le moment où nous en sommes dans l'âge de l'Odyssée, les messagers prophètes de l'Apocalypse 17 doivent déjà être parmi nous. Une fois encore, le Cité du Seigneur doit être ici, prêt à être manifesté et infailliblement confirmé. Ainsi, la vraie semence est déjà en train de mûrir et ce sera la moisson. Amen. C'est-à-dire, au père des frères Branham, les frères, vous savez qu'il n'y a aucun passage où les frères Branham ont dit qu'il était le prophète de Manachikan. Ça n'existe pas. Mais tout le monde dit que les frères Branham est Manachikan. Vous savez ce que Manachikan a dit? Manachikan, c'est la moisson. Amen. Il dit que le frère Branham dit que la vraie semence est déjà en train de mûrir. Et ce sera la moisson. Vite, 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 vite. Il dit ceci, essayez de rendre un service à Dieu dans le sanctuaire. Je vais finir, je vais finir. Père, je ne peux pour eux, mais la tige doit se dessécher. Je ne peux donc pas prier pour elle. Elle doit mourir. Et elle est morte d'ailleurs, mais je prie pour le blé. Amen. Frère Madame dit, ne prie pas pour la tige. Parce que la tige doit mourir. Les femmes ont prié pour le blé. Amen. C'est comme si vous êtes fatigué, ça va. Donnez-moi quelques mesures finales. Amen. Et elle est morte d'ailleurs, mais je prie pour le blé. Seigneur, qui est en train de prendre la forme du corps de Christ. Amen. Accorde, Seigneur, que les sauts fraîches de Dieu gardent ce jour béni des larmes de joie et de compréhension. Jusqu'à ce que la moissonneuse batteuse vienne les ramener où? À la maison. Au nom de Jésus, je te remets tout, Seigneur, les résultats et à toi. Amen. Troisième chose. Dieu a un temps pour tout. Vous allez voir si la moissonneuse batteuse est déjà descendue. Bon. Vous comprenez? Vous ne devez rien faire avant ce moment. Si vous envoyez votre moissonneuse batteuse dans la moisson, avant qu'elle soit mûre, vous en perdez la plus grande partie. C'est-à-dire que la moissonneuse batteuse ne peut pas descendre au champ avant que la semence puisse arriver à maturité. Parce que vous allez perdre votre récolte. Le frère maintenant continue. Il dit, chef, il dit, que personne n'attende trop longtemps, Seigneur. On dirait que c'est terriblement proche.
la moisson est vraiment mûre. Amen. La grande moissonneuse de Dieu parcourra les pays un de ces jours. Ok? Les brins de paille vont voler de tous côtés. Si vous remarquez, au village, qu'est-ce qu'on fait? Comme ils n'ont pas de machine, ils prennent les riz. Hein? Les riz qui proviennent du champ, ils mettent ça dans un mortier, c'est ça? Ils vont piler. Ok? Quand ils vont piler, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de séparer la balle et les riz. Ou bien le blé et la balle, en pilant. N'est-ce pas? Ils sont deux, non? Mm-hmm. En train de piler. L'autre, parti. L'autre est resté. Voilà tout. N'est-ce pas, c'est un Vous savez, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va tout prendre. On va mettre ça dans un plateau. Dans une ligne. On fait ça. On fait ça. Vous savez ce qui arrive? La balle s'envole dans l'air. La tempête va séparer. Quand ça arrive là, on va faire ce pas. Quand on la balle s'envole, mais le bleu reste. Parce que c'est un kilo. Amen. C'est terrible. Après avoir pillé, on le récupère et on va mettre, on va souffler sur ça. Mon peuple. Vous voyez, le bleu va faire ses massacres. Ça pèse les grandes choses du mystère de Dieu. Amen. On dit que non, voilà, nous sommes de l'éternité, le bleu fait ça, c'est bon. Écoute. Mais la balle s'en va dans l'air. Laissez-moi continuer. Il dit, mais le bleu s'est rassemblé au grenier, enlevé. Vous voyez ça? Le blé sera rassemblé au grenier. Virgule, enlevé. C'est ça le grenier. Parce qu'en lui se trouve la vie. L'enlèvement des conseils qui l'épouse, la dame est. Accorde-nous, Seigneur, que chaque demande soit exaucée, que chaque prière soit manifestée devant toi. Vite, vite. Maintenant, souvenez-vous des choses qui doivent arriver. Quand on est Dieu. Maintenant, souvenez-vous, dans chaque réforme qui a eu chez les luthériens, et tout, au bout de 3 ans, ils ont formé une organisation, c'est vrai. Chaque réveil a produit une organisation dans les 3 ans. Pensez un peu de lui combien de temps celui-ci dure. 20 ans et quelques. Et pas d'organisation. Pourquoi? C'est la semence qui vient, qui se forme comme ça, sous l'enveloppe. Maintenant, elle repose, elle doit reposer dans la présence du soleil pour mûrir et devenir le glorieux grain, semblable à celui qui avait emprunté. La véritable église qui est tombée en terre au début, elle revient à travers la tige pour qu'une église apparaisse de nouveau. Quand la moissonneuse viendra pour la moissonner, la vie qui est passée en Luther, la vie qui est passée dans les méthodistes, la vie qui est passée dans les pentecôtistes, dans la Pentecôte, entrera dans les grains. Tout cela sortira dans les grains et se détachera pour former le corps parfait de Jésus-Christ. Amen. Donc le corps parfait de Jésus-Christ, c'est l'Église. N'allez pas chercher un corps physique, sinon vous serez une seconde discorde. Oh my God. Je vais finir. Ma dernière citation. Je finirai comme ça le prochain. Amen. Événement moderne a dit que par la prophétie. Les femmes disent ici. C'est l'enveloppe qui l'a contenu jusqu'à ce moment-là. Mais maintenant, elle est enlevée. C'est-à-dire l'enveloppe est enlevée. C'est-à-dire la balle. Amen. La balle est enlevée. C'est la balle qui l'a contenue. Mais la balle contenait la semence juste pendant que la semence était en train de grandir et de mûrir. Si la semence est mûre, la balle n'a aucune raison de garder la semence. C'est pourquoi je dis que une véritable semence de Dieu, c'est-à-dire un blé, vous ne pouvez pas le garder dans une église. Parce que l'église c'est une balle. Il te posera des questions, tu lui diras de faire le mal à l'église. C'est comme le frère Max qui avait posé la question à son ex-pasteur. Pasteur, mais
Les deux témoins ont ouvert le sixième saut. Il dit, frère, le mal est à quel moment? Parce que là-bas, il ne pouvait plus le contenir. Amen. Il dit ceci. 20 années sont passées depuis que ce message vint. Et cependant, aucune nouvelle dénomination n'en est sortie. Il n'y en aura point. Les femmes m'ont dit qu'il n'y aura point. Si vous voyez quelqu'un s'organiser dans ce message, c'est qu'il a écouté le message. Il dit, nous sommes arrivés à la fin de toutes les dénominations. C'est ça la fin du monde. Le blé a changé tout cela. Et bien qu'il a que va faire le blé maintenant? Il doit être exposé au rayon du soleil pour arriver à pleine maturité avant que la moissonneuse ne vienne le réquisir. C'est la moissonneuse baptiste qui arrive. C'est ça la moissonneuse baptiste. Amen. Ça, c'est la moissonneuse baptiste qui arrive dans le champ pour faire la moisson. Quand ça moissonne, qu'est-ce qui se passe? Ça fait la ségrégation. Vous voyez? Ça prend le blé, ça met là. C'est ça qu'on va mettre dans le grenier pour faire la farine, pour fabriquer le pain qu'on va manger, qui va nous donner la vie. Amen. Si vous mangez la balle, vous mourrez. On va enlever la balle. Ça fait la circulation. Où est la balle? La balle reste dans les champs. Et comme il finit. Amen. C'est ça la moissonneuse baptiste. La moissonneuse baptiste. Alors, je m'arrête là parce que le temps est parti. Comme ça, la prochaine fois, on commencera par là et on va continuer. Amen. Que le Seigneur bénisse.